Merci beaucoup à chacun d'avoir tenu à être présent ici dans cet amphi Alain-Mérieux. Bienvenue à vous, docteur Denis Mukwege. Accueillir un prix Nobel de la paix, c'est évidemment une occasion exceptionnelle. Et c'est notre joie de cela, ça nous dépasse et ça nous honore fortement. Distingué docteur Denis Mukwege, permettez-moi de dire qu'au-delà de la République démocratique du Congo qui vous est légitimement chère, c'est à toute l'Afrique que vous appartenez désormais et c'est le monde tout entier qui vous porte aujourd'hui. Depuis 20 ans, ce sont des milliers de victimes que vous avez opérées et accompagnées, vous et votre équipe médicale, leur permettant de retrouver le chemin de la reconstruction, de la dignité, de la vie. Je vois dans l'amphithéâtre beaucoup de jeunes. Je vous demanderai de penser un instant au contexte dans lequel les Congolais de votre génération ont grandi. Ils n'ont jamais connu ni la paix, ni la justice, ni la démocratie. Pour eux, il ne s'agit pas de droits universels, mais d'idéaux à atteindre. Comment voulez-vous qu'un pays autoproclamé démocratique protège ses citoyens quand il est en réalité gouverné par des anciens chefs rebelles qui ont tenté tout simplement leur uniforme de miliciens par des costumes de luxe? C'est le seul changement. Nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de paix sans justice et sans le retour à l'état de droit. Nous avions vu que les femmes revenaient à l'hôpital, pas pour réclamer les soins, mais pour réclamer qu'on puisse les aider, les accompagner devant les juges, puisqu'elles avaient besoin de restaurer leur dignité pour avoir une guérison complète. Nous gardons l'espoir que la justice soit rendue un jour en République démocratique du Congo pour tous ces crimes impunis qui, rappelons-le, sont imprescriptibles. Nous restons convaincus que le chemin de la paix existe. Il sera toujours notre rêve. Nous nous permettons de continuer à rêver qu'un jour cette paix viendra. Nous voulons nous occuper des femmes qui viennent accoucher à notre hôpital et non plus essayer de réparer celles qui ont été détruites par la barbarie humaine. La mémoire n'est pas synonyme de la haine. La mémoire, c'est pour nous permettre d'éviter la répétition et se réconcilier, construire la paix, pouvoir se pardonner.